chercher la salade est belle. Ouais. Bonne balle avec Lukaku, on entend la reprise maintenant, ça donne l'occasion pour Batshuayi. Ouh, il y a des fesses qui ont chauffé là-bas. J'en voyais dedans, Alexandre. Oui, moi aussi. J'ai vraiment cru. En plus, il est bien en équilibre au moment de sa frappe. C'est dommage. Hein. Il est contré au dernier moment par ce joueur irlandais. Allez, ça va peut-être donner le coup d'envoi de cette rencontre. Batshuayi avec Vermeil. Vermeil aime beaucoup. Ouais, ça passe. Il peut frapper. Et il va frapper. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, les Belges sont bien dans le match. Là, on voit, on a eu un temps fort là qu'on est en train d'exploiter. Il faut continuer de la sorte, à leur mettre beaucoup de pression dans leurs 30 derniers mètres et pouvoir se créer des occasions. On en aura encore. Mpoku avec Veto Kele, c'était bien joué ça. Si c'est Ferreira Carrasco, alors il y va. Ils vont encore y aller, ils vont aller chercher Winchester notamment. Il va se retrouver face à Lukaku. Bonne balle ici de Lukaku décidément. Déjà deux fois, Alexandre. Ouais, ça, c'était vraiment un super ballon. Il suffisait de venir couper la trajectoire. On voit un petit peu plus un garçon comme Gray, comme Brennan, qui a des situations. Voilà, on se dégage ici. Ça va revenir très certainement. Non. Allez, ici, Batshuayi, s'il peut donner en relais. Allez, à Ferreira. Ça passe. Où est le gardien? Bonne sortie. Très bonne sortie du gardien. Voilà la contre-attaque parfaite ou presque. Ici, il manque pas grand-chose. Oui, il sort très très bien le gardien, c'est vrai. Ouais, elle est lourde et encore, on dirait que ce ballon pèse des tonnes. Ouais. La reprise de Lukaku. Pas loin, il passe pas loin à la Malanda. Vraiment, suivre ces ballons, c'est vrai que c'était une sale balle hein, à capter en un temps. Batshuayi, attention hors-jeu, il n'y en a pas, Batshuayi passe devant. Il doit passer devant à la balle, aller chercher la faute au cas où. Bien joué de Batshuayi. Allez, il faut jouer collectif là maintenant. Et pourquoi pas aller tout seul et aller marquer. Eh ben, quand on est fort, autant y aller. Hein. C'est magnifique ce qu'il a réalisé sur cette action. Alors là, franchement, on s'est dit, il va peut-être en faire de trop. Mais avec lui, quand il est en forme, quand il est bien appliqué dans son travail, il est tout bonnement très proche du noyau A hein, de nos équipes nationales. Oui, il est intenable, Marc, et c'est vrai qu'on peut considérer la chose comme telle. Regardez, ça frappe aussi la grosse force de Batshuayi, c'est de pouvoir aussi bien enchaîner, enfin frapper pied droit, pied gauche. Regardez le bon équilibre qu'il a et prend vraiment le gardien. Le gardien ne s'y attend pas en fait à cette frappe. Le gardien est un peu fautif. Hein. Un petit peu, je pense. Un petit peu fautif parce que ce ballon sautillant. Yannick Ferreira Carrasco. Nu staat zeker op de goede afstand. Daar is de vrije trap, de redding van Brennan. Naar de linkerhoek. Net zoals in de eerste helft, de vrije trap van Mpoku, die was nog iets lager. Goeie vrije trap, maar goed gelezen door Brennan. Dan zijn de Belgen weer. Wat ruimte voor Mpoku, die wel moet wachten op de bal. Dat is... beetje jammer, Mpoku gaat weer dribbelen. Dit doet hij goed en daar is Brennan. Hij schiet hem naar de korte hoek. Had hij voor de andere moeten kiezen. Vanop zijn geliefkoosde plaats. Hè. Van links kan hij dit heel goed. Sleepbeweging met rechts nog snel even klaarleggen en dan goed gedaan hoor. Maar ook knap van de keeper. Laurens de Bok komt er als winnaar uit. Speelt in bij Mpoku. Die geeft meteen mee met Batshuayi. Batshuayi nu met de actie in de 16. Michy Batshuayi doet het zelf. En dat was niet de beste keuze. Maar goed gerecupereerd. Cissé. Uitstekend. Gaat zelf mee ten aanval. Ferreira Carrasco trekt zich op gang. Het is 5-4. Het moet wel snel gaan. En dat gaat misschien niet snel genoeg. Toch nog een Mpoku. Weer een poging. En weer Brennan. Paul José Mpoku. Even dreigen, even goochelen. Kan hij nu trappen? Heeft wat ruimte. Mpoku, de save van Brennan. Ja, het was een tijdje geleden dat we een kans hadden gezien. Dat was ook Mpoku die het dan probeerde. Uitkijken, de voorzet en die gaat er maar net naast.
McCartan grijpt zich naar het hoofd. Shay McCartan. Is hier sneller dan Lukaku. Bal buitenkant paal. Hier komen we echt wel uitstekend weg. Het leek alsof hij er ver naast ging. Die wordt nu kort genomen. Ferreira Carrasco krijgt hem terug. Daar durft hij trappen. Doet dat. Weer Brennan. Hij houdt weinig ballen vast, maar hij houdt ze wel tegen. Dat is nog altijd het belangrijkste natuurlijk. Negen op negen hebben ze al. 12 op 12 hebben ze bijna. Oei, niet ver weggewerkt. Dit kan misschien nog iets opleveren. Daar is McCartan. McCartan dropt hem erover. Oh la la. Kozemans